bien préparé, les camions prêts à accueillir les coureurs à la fin de la journée. L'ensemble de l'organisation a fourmillé depuis ce matin pour mettre en place les derniers préparatifs de ce nouveau Tour d'Auvergne, ce Tour d'Auvergne 2017 qui repart pour un tour aujourd'hui de Montluçon. Une première étape qui va emmener les coureurs de Montluçon à Rion sur 160 km. L'effervescence sera également présente du côté de Rion pour l'arrivée de cette journée. L'ensemble des préparatifs et les derniers fignolages sont en cours. Le Tour d'Auvergne est en tout cas parti pour une belle édition 2017. Nous retrouvons sur ce parking d'Athanor, là où va être donné dans quelques minutes le départ de ce Tour d'Auvergne. Départ également de la première étape, on va l'évoquer avec le président du comité d'organisation, Pierre Pouillet. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors Pierre, sur ce parking d'Athanor, c'est le calme avant la tempête qui s'annonce d'ici quelques minutes. À 13h sera donné le coup d'envoi de cette première étape du Tour d'Auvergne. Un Tour d'Auvergne un peu plus court cette année, 330 km et deux étapes. Petit peut-être, mais costaud, hein. Oui, de qualité au niveau sportif. J'espère que nous aurons bien beau temps parce que ce matin, c'était un petit peu menaçant, mais je crois que tout se lève. Un parcours extrêmement sélectif sur la deuxième journée. Sur le premier journée, la première journée, c'est pour costaud. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça roule à plat. S'il y a des coups de vent, ça peut faire des bordures. Donc, je crois au niveau sportif, un terrain de jeu intéressant. Ici au cœur de cette cité de Montluçon, nous l'avons dit, ce centre Athanor qui nous accueille pour le grand départ de ce Tour d'Auvergne. Montluçon, c'est une place forte du cyclisme, en particulier cette année avec Roger Valcoviac qui nous a quittés. Hein. Oui, Roger qui nous a quittés, une grande figure du cyclisme français. Un homme qui a gagné un Tour de France plus qu'à la pédale, je crois qu'il y avait tout mis cet homme. Et qui est vraiment l'exemple de tout ce que le cyclisme porte de valeur en son cœur. Et nous ne pouvons qu'avoir une pensée attristée, mais sympathique et pleine de souvenirs vis-à-vis de Roger. Et quand on voit l'effervescence qui règne sur ce parking avec les derniers préparatifs pour l'ensemble des équipes, on peut le dire, l'esprit de Roger Valcoviac qui va planer sur cette course encore cette année. Hein. Ah ben je crois que c'est notre esprit à nous, le comité d'organisation. Je crois que nous, ce qui nous préoccupe, c'est que les coureurs soient satisfaits, courent en sécurité et que le sport cycliste soit mis à l'honneur. On n'est pas dans des organisations grandioses et grandiloquentes. On a simplement l'envie de bien faire, de bien sécuriser nos coureurs et de donner un grand spectacle à toute l'Auvergne et de continuer de faire de cette épreuve la plus belle épreuve du circuit auvergnat. Pierre, on vous remercie d'avoir été avec nous quelques instants. On va vous laisser prendre la route, bien sûr, avec votre véhicule. Et on se retrouvera, bien sûr, tout à l'heure sur la ligne d'arrivée à Rion.
franchir la ligne dans quelques instants. Les écarts sont impressionnants, bien sûr, puisqu'on en est à plus de 14 minutes pour ce groupe qui sera réglé par Nicolas Ball, celui qui a été champion d'Europe chez les juniors. C'était la saison dernière sur les routes bretonnes du côté de Plumenec. Voilà, Pierre, Rion, c'est une ville de cyclisme, on le voit, et aujourd'hui, avec ce Tour d'Auvergne, c'est un aboutissement. Tout à fait, nous étions très heureux de pouvoir accueillir l'arrivée de cette étape. Je dois féliciter toute l'équipe. Bravo, bien sûr, bravo au vainqueur qui arrive avec 4 secondes, je crois, d'après ce que j'ai compris. J'étais un peu coincé pour faire la circulation. Je vais passer la parole à Daniel, qui est quand même le responsable du sport et qui avait organisé cette coupe, cette étape avec Châtel et puis la conseillère départementale qui nous a fait le plaisir d'être là. Notre conseillère départementale va nous rejoindre dans les minutes qui viennent. Daniel, je te passe la parole. Je voudrais vous dire que je suis tout à fait très heureux d'accueillir ce Tour d'Auvergne, une grande épreuve cycliste de la région, et surtout un moment crucial, puisque je crois que toute l'Auvergne est derrière notre champion Romain Bardet, qui est en train de se défoncer contre la montre. Et je crois que les champions qui sont arrivés aujourd'hui ont prouvé leur qualité, et je crois que parmi eux, il y a demain des futurs champions du Tour de France. En tout cas, je félicite les organisateurs, et je remercie les organisateurs d'avoir fait confiance à Rion pour organiser cette arrivée de course du Tour d'Auvergne. Voilà, nous allons accueillir donc le vainqueur de l'étape du jour. Il porte le maillot de Bourg-en-Bresse cyclisme. L'ovation du public auvergnat pour Victor Lafay, qui a vaincu, j'ai envie de dire, le signal bien appelé aux places de deuxième depuis plusieurs semaines. Et nous allons demander à M. Jean Pitalier de venir nous rejoindre pour remettre la peluche de vainqueur d'étape au lauréat, donc le grand Bressan, qui avait terminé deuxième avec les professionnels sur... c'est pour le maillot jaune, d'accord, on l'aura tout à l'heure. Alors d'abord le bouquet et la mairie de Rion et M. Pécoul qui vont féliciter le jeune coureur de Bourg-en-Bresse. Je le disais, il a vaincu le signal bien, deuxième sur la Dure Torcha en début de saison, deuxième sur les routes du Tour de Savoie-Mont-Blanc, encore deuxième d'étape et troisième du général sur le Tour de Tarentaise. Je peux vous dire qu'il attendait depuis de nombreuses semaines cette victoire. Voilà donc Victor Lafay qui s'impose. Monsieur le maire est aux côtés du coureur Bressan, jeune coureur de 21 ans qui s'impose, et nous le retrouverons à l'interview tout à l'heure pour le maillot jaune. Nous allons tout de suite enchaîner avec le classement de la montagne, et nous allons avoir un coureur qui portera nous parlions tout à l'heure de G2R La Mondiale, il sera stagiaire professionnel dans une semaine, meilleur grimpeur Aurélien Doléato, qui avait gagné étape au Val-Romaine, le natif d'Orléans Bugey. On l'avait vu superbe du côté des monts du Livradois cette saison. Voilà donc un beau maillot de la montagne aux couleurs de la ville de Montluçon pour celui, nous le disions, qui portera le maillot de la G2R La Mondiale dès le week-end prochain sur les routes de la Polynormande, donc stagiaire professionnel à partir du 1er août. C'est un beau maillot à poids qu'il faudra défendre demain. Mais du côté de Chambéry, on a bien entendu pas dit son dernier mot puisqu'on est à 4 secondes au classement général. Monsieur Pécoul également avec un cadeau pour notre meilleur grimpeur, et nous allons retrouver Julien pour l'interview. Voilà donc Aurélien, meilleur grimpeur ce soir, alors que nous allons saluer d'autres coureurs qui en terminent. Ah d'accord, donc nous avons également une peluche pour tous les maillots cette année. Voilà, la peluche Alizé Automobile, donc, avec Pierre Pouillet et Jean Pitalier, le président d'honneur de la Fédération Française de Cyclisme, qui remet cette belle peluche à Aurélien Doléato, alors qu'on va saluer les deux jeunes coureurs qui vont franchir la ligne. Dans quelques instants, ce sont également des garçons du Team Azurea qui a été présent donc, dans le peloton et qui a été décroché dans la finale. Voilà, un grand bravo à ces jeunes coureurs venus du sud-est de la France qui viennent de franchir la ligne. On avait Jean Roubert et Yagor Spasowski, le Biélorusse. Pour une petite interview, Aurélien, les routes d'Auvergne te réussissent bien après les monts du Livradois. Du côté de Chambéry, j'imagine qu'on on avait joué la carte de Benoît Cosnefroy dans le final. Mais Victor Lafay a fait le kilomètre. Bon, en fait, on ne voulait pas faire de temps en général pour aller gagner le général demain. Du coup, on n'a pas mis le sprint pour Benoît, pour que je sois. En fait, on voulait que ce soit tous en même temps avec moi, par les peintres.
Il y a eu Benoît et du coup on a pas roulé et il a fait, il était super costaud. Donc voilà, ça l'a pas fait, mais il reste encore demain. Il reste demain, c'est beaucoup plus montagneux, donc plusieurs objectifs, garder ce maillot et puis essayer d'aller décrocher ce maillot jaune. Bah c'est l'objectif, oui, c'est d'aller gagner peut-être l'étape de demain et plus le général. En ce qui te concerne, impatient d'être au week-end prochain, j'imagine. Oui, c'est sûr, je suis super motivé d'être au week-end prochain sur la Pauline Normande. Je serai stagiaire professionnel, donc ça va vraiment bien. Ouais, et puis tu vas retrouver des copains avec Nance Peters qui est passé l'année dernière, alors qu'on va voir d'autres coureurs qui ont terminé. Il y aura également Benoît Costefroy qui sera à tes côtés. Je crois que c'est Kevin Geniez également qui sera stagiaire professionnel. On va retrouver maintenant le maillot vert, donc avec le coureur de l'ABCX, c'est Audrillon Champossin, qui va endosser ce beau maillot vert de leader du classement par points. Il a brillé sur les routes de la Mirabelle, il a brillé également sur le Tour du Béarn cette saison. Il gagnait en plus dans le Var il y a quelques semaines de cela. Beau maillot vert aux couleurs de la ville d'Orion. Et nous allons retrouver Julien aux côtés du coureur de l'ABC Aix-en-Provence qui réalise lui aussi une belle saison 2017, bien récompensé de son omniprésence à l'avant avec ce maillot vert. Il va falloir là aussi le défendre, lui qui avait gagné Kersès la saison dernière. Et nous allons saluer le peloton qui va en terminer dans quelques instants. Ah, ce sont des garçons qui risquent d'être présents demain sur les routes de la deuxième étape, avec sans doute des idées derrière la tête pour aller chercher une victoire de prestige du côté de Châtel-Guyon. Vous pouvez saluer le peloton du Tour de Vergne qui franchit la ligne au terme de cette étape de 160 km. Et les coureurs bressins sont contents lorsqu'ils voient Victor sur le podium. Voilà donc tous les coureurs qui franchissent la ligne. Et je pense que la balle n'est plus très loin maintenant avec Julien au côté Audrillon, donc maillot vert. Voilà, tu as également la peluche, voilà monsieur Pitalier. Et un mot avec Julien, satisfait Audrillon de cette étape. Ouais, tourne-toi pour le public quand même. Ouais, je suis content cette étape, j'ai morflé à 30 bornes à l'arrivée, j'ai l'aidé. J'étais là pour faire pas mal d'efforts pour faire le championnat de France la semaine prochaine. Championnat de France de l'avenir, on va le confirmer pour le public. Et voilà, je suis parti dès le début dans l'échappée et j'ai fait les sprints, j'ai vu que j'étais pas trop mal. Mais bon, j'ai carrément pété le moteur à 30 bornes dans le dernier GPM et voilà, c'est comme ça, elle est plus fort que moi et bravo à Victor qui était très fort. Ah, il y a un sacré niveau cette année hein, sur le Tour de l'Avenir. Voilà, c'est ce que je disais avec Maxime Kahn. On trouve qu'il a semblé vraiment très fort, ça n'a jamais débranché avec le vent. Et c'était vraiment très très dur, là, cette étape. Allez, on va vous laisser récupérer car l'étape de demain sera très compliquée également. Et puis le maillot jaune, il va s'avancer donc aux côtés des officiels. Leader donc du classement général du Tour de Vergne, le coin de Bourg-en-Bresse. Victor Lafay donc qui s'impose aujourd'hui, le maillot aux couleurs de la ville de Châtel-Guyon. Voilà donc Marie Malfay donc qui remet ce maillot jaune donc de leader du classement général. On le disait, il a vaincu le signe indien, lui qui était abonné aux places de deuxième depuis le début de la saison. Il était tourné autour depuis de nombreuses semaines. Ça avait commencé à la Dure Torcha il y a quelques mois de cela, puisque nous étions au mois de mars où il avait pris la deuxième place derrière Kevin Geniez, c'est devant Bruno Armirail. Il était encore deuxième sur les routes du Tour de Savoie-Mont-Blanc. Maillot jaune du Tour de Vergne ce soir, le coureur de Bourg-en-Bresse, Victor Lafay, qui reçoit les applaudissements du public auvergnat. Et je vais aller le voir puisque Julien, lui, est parti du côté de l'émission. On va saluer Christian Milesi, le directeur sportif de cette formation, qui doit être satisfait de la journée. Voilà, Victor, on va essayer de se faufiler pour venir à ta rencontre et avoir tes impressions sur la journée. Alors, on se chambrait un petit peu tous les deux depuis plusieurs semaines, puisque chaque fois qu'on se voyait, c'était une deuxième place. Tout à l'heure, avant le son, tu m'as dit à tout à l'heure pour une deuxième place, ben, c'est quand même mieux. Ouais, c'est sûr, je ne m'attendais pas du tout à gagner aujourd'hui, parce que c'était pas du tout une arrivée pour mon profil. Oui, t'es plutôt grimpeur. Ouais, voilà, je suis plutôt grimpeur. D'ailleurs, j'ai attaqué dans le dernier GPM, mais avec tout le vent de face sur le retour, c'était juste pas possible de rester. On était à deux et Corlien Nagoléato, on s'est relevé. C'était quand même assez dur tout le début d'étape. J'ai eu du mal quand même, parce qu'on sort de stage et il y a les jambes un peu dures. J'ai pris l'échappée grâce à un coéquipier qui m'a ramené dedans, parce que j'étais pas dedans au début. Et après, voilà, j'ai essayé de gérer un peu la course et sur la fin, ça s'est fait un peu à l'instinct. Au kilomètre, j'avais des points de côté, j'arrivais plus à respirer, mais je sais pas, j'ai attaqué quand même, ça s'est fait automatiquement, j'ai même pas réfléchi.
Puis après, voilà, j'ai essayé de résister le plus possible et je suis vraiment content de l'emporter ici aujourd'hui. Bon, ton directeur sportif n'est pas dans le coin. Demain, comment vois-tu les choses? 4 secondes à défendre. T'as quand même des garçons solides, je pense à Frédéric Moin qui a fait une étape exceptionnelle, qui a couru au plus haut niveau, Zidrunin Savinskas qui a gagné de belles épreuves. Tu vas être bien entouré demain. Oui, il y a un super collectif, même Vincent Arnaud, du coup, c'est lui qui m'a aidé à rentrer sur l'échappée. Il n'était pas dans le groupe à l'arrivée, mais il est aussi très costaud en ce moment. Donc je pense qu'on a l'équipe pour essayer de garder le maillot. Après, voilà, on va tout faire, et puis si ça suffit, tant mieux, si ça suffit pas, ben, on n'aura pas de regret. Voilà, une belle victoire d'étape en attendant. Voilà, maillot jaune ce soir, sur les routes du Tour de Vérone. On va demander à Aurélien Doléato et Aurélien Champossin de revenir sur l'avant de la scène pour accompagner et entourer le maillot jaune. Voilà, nous demandons bien entendu à nos élus de rejoindre le protocole. Un mot de Pierre Pouillet, également le président. Belle récompense pour la formation de Bourg-en-Bresse. Ce sont des finales du Tour d'Auvergne. On les avait vus au tout début venir. Ils avaient même eu un maillot jaune il y a 4 ans maintenant avec Johan Michaud. Ça fait chaud au cœur de voir cette équipe de DN2 et ben, damer le pion au DN1 sur les routes du Tour d'Auvergne. Ah, parfaitement. Et puis aujourd'hui, le jeune, là, il avait été avec le cœur. Hein. Donc c'est bien. Moi, je suis ravi quand les jeunes sont devant. Ça fait plaisir, c'est le sport cycliste français d'avenir. Voilà, et puis demain, ça fait une belle étape du côté de Châtel-Guyon. Merci, hein, messieurs, de vous être prêtés au protocole. Voilà. Monsieur le maire a également un petit cadeau. Victoire, pas ce soir, par contre. Hein, tu attends dimanche. Hein. Voilà, ouais, tu attends dimanche. Monsieur le maire, encore merci de votre accueil. On se retrouve demain. On se retrouve également sur le cyclocross de Rion, bien entendu, le 5 novembre. On se retrouve également du côté de l'émission de Radio Arverne qui reste avec nous jusqu'à 19h. J'imagine que vous êtes satisfait de cette belle après-midi de sport. Bah, écoutez, une très belle après-midi de sport, une belle arrivée. On est heureux, un peu de spectateurs manquants, mais on peut le comprendre aujourd'hui. On aurait dû mettre un écran géant. Je pense qu'on aurait attiré un peu plus de foule. Enfin, merci à tous ceux qui sont venus. Et puis bonne continuation. Et demain, j'espère qu'on aura du beau temps pour arriver jusqu'à Châtel. Mais on va d'abord recevoir notre premier invité du soir. C'est Jacques Dupré. Jacques, directeur de course de ce Tour d'Auvergne. Et accessoirement responsable du club de QC, je le précise aussi parce qu'on va parler d'un individu dans quelques secondes. On va d'abord saluer Jacques. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Jacques, on vous reçoit bien sûr pour parler de la course naturellement, mais aussi pour un hommage que l'on avait tenu à rendre aujourd'hui à un homme, l'homme qui a symbolisé ce départ de Montluçon, c'est Roger Valcoviac, vainqueur du Tour de France 1956 qui nous a malheureusement quitté en début d'année. Roger Valcoviac, vous l'avez bien connu, c'était un grand monsieur du cyclisme, que ce soit sur un vélo, mais aussi en dehors, pour organiser des compétitions et détecter des jeunes. C'était un homme qui a toujours aimé et a toujours eu la passion de son sport. Oui, effectivement, j'ai connu Roger un petit peu sur la fin de sa carrière. Et il était parmi nous très souvent en encourageant les jeunes cyclistes, leur donnant quelques petits conseils. Et effectivement, sa disparition a marqué un grand coup au niveau du club de l'avenir cycliste du QC et surtout un grand coup au niveau de l'ensemble des cyclistes nationaux. Pour preuve, Christian Prudhomme a tenu sur l'étape de Pau à rendre hommage à Roger Valcoviac en dévoilant une stèle dans laquelle on retrace un petit peu la carrière de Roger Valcoviac. Christian Prudhomme, dans son petit discours, a bien précisé que c'était un grand champion et c'était un grand homme également. On a eu le plaisir d'ailleurs de vous apercevoir hein, sur les images de France Télévisions, participer à cette superbe cérémonie, à cette superbe spectacle qui a été mis en œuvre, le Tour de France, le sport cycliste qui a été mis à l'honneur du côté de Pau, ville la plus traversée par le Tour de France dans son histoire. C'est l'occasion aussi de faire la transition sur une autre ville qui est synonyme de cyclisme, un petit peu moins à l'échelon national, mais nous clairement ici à l'échelon régional, l'échelon auvergnat. C'est cette ville de Montluçon qui était donc un superbe symbole aujourd'hui pour prendre le départ pour Roger Valcoviac, pour l'ensemble des coureurs que l'on voit dans le peloton et pour tout ce que Montluçon apporte au cyclisme. Oui, effectivement, Roger aurait été très sensible de participer à cette édition partant de Montluçon. Son fils, qui a la même amour pour le monde du cyclisme actuel, aurait aimé participer à ce départ, mais malheureusement, bon, ses obligations professionnelles lui empêchaient donc d'être présent parmi nous. Mais connaissant maintenant le fils de Roger, c'est le même homme, c'est-à-dire que l'alarme est facile et je suis certain que vers midi et demi, il a eu une petite larme en pensant qu'on penserait à Roger à midi et demi à Montluçon.
Et sur Roger Malkoviak, sa mémoire sera longtemps encore honorée, bien sûr, dans notre région, mais aussi du côté de QC, où vous organisez tous les ans une compétition à son nom, bien évidemment. L'âme, l'esprit de Roger Malkoviak, c'est aussi ce que vous voulez inculquer à vos jeunes du côté de l'équipe de QC. Hein. Effectivement, tous les ans, nous organisons le trophée Souvenir, maintenant malheureusement Souvenir Roger Malkoviak, qui rassemble aujourd'hui des coureurs de première, deuxième catégorie. Nous espérons que cette épreuve eh bien, montre un petit peu d'un credo pour qu'on rende un hommage encore plus parlant à notre cher Roger Malkoviak. On va revenir et on va faire la transition bien évidemment avec la course d'aujourd'hui. Jacques, le directeur de course que vous êtes, a vu une belle course entre Montluçon et Rion. Ça a été au pas de course, 42 km/h pratiquement de moyenne pour cette étape. Finalement, le directeur de course que vous êtes, est-il satisfait de sa première étape ? Non, je ne suis pas satisfait, je suis vraiment heureux, plus que satisfait. Car, et c'est pas notre ami Pierre Bourduge qui dira le contraire, on a vu une super course. On avait fait des petits paris, on s'était dit ça va tout arriver au sprint à Rion. Bon, effectivement, on a eu un groupe qui est arrivé au sprint, mais on n'a pas vu depuis nos 120 coureurs arriver au sprint. Je tiens à dire quand même qu'on a assisté sur cette étape à du grand cyclisme. Je crois que le Tour d'Auvergne peut être fier d'avoir accueilli aujourd'hui les plus belles équipes nationales, même, je dirais, internationales, puisque nous avions des Belges et des Suisses. Et je crois que tous les jeunes qu'on trouvera dans le classement, aussi bien aujourd'hui que demain, on risque de les retrouver dans très peu de temps dans le haut du peloton professionnel.